Bonjour et merci pour ta présence. Peux-tu me dire qui es-tu? Alors, je m'appelle Damien Vullier et j'ai 43 ans. Quelle est ta discipline sportive? Le cyclisme. Depuis combien de temps pratiques-tu celle-ci? Depuis bientôt 30 ans. Et avant, tu as commencé par laquelle? J'ai d'abord commencé par les courses FFC traditionnelles. Tu as changé pour quelle raison? Je pratique maintenant en parallèle l'ultracyclisme. Combien de temps passes-tu à t'entraîner par semaine sans objectif? Environ une quinzaine d'heures. Combien de temps passes-tu à t'entraîner par semaine avec objectif? Ça peut monter à 20, 25, 30 heures par semaine. As-tu un entraîneur ou tu fais tes programmes seul? Je suis mon propre entraîneur. Quelle compétition monumentale viens-tu de gagner? J'ai remporté la Race Cross Belgique. Quel était le format? C'est une course ultra-cycliste de 1030 km qui se court en autonomie et qui regroupe toutes les plus grandes classiques belges du peloton professionnel en une seule épreuve. Es-tu allé sur cette épreuve pour la gagner? Oui, j'allais avec la volonté de remporter cette épreuve. As-tu fait une préparation précise et spécifique? Oui, j'ai intégré énormément de côtes très pentues à mon entraînement. Peut-on dire qu'un entourage familial peut aider à cette préparation? Complètement, et c'est primordial. As-tu eu des doutes sur un échec d'abandon sur cette compétition? Non. Le matériel est important aussi. Quel élément te semble le plus important et surtout incontournable? La selle, c'est l'élément le plus important en ultracyclisme et j'ai la chance d'être équipé d'une selle Debia qui est moulée à mon anatomie et qui me garantit un confort absolu. Comment arrives-tu à te préparer mentalement aux douleurs physiques que tu vas avoir durant cette épreuve? Les douleurs font partie du jeu, il faut l'accepter. Mais avec l'expérience, on trouve quand même des solutions. Est-ce le physique ou le mental qui peut permettre de gagner une telle épreuve? Le mental est primordial, mais le physique est également très important, sinon on ne peut pas performer. Penses-tu continuer dans cette discipline longtemps? Ah ben, j'espère bien, oui. Un dernier conseil à donner pour tous ceux et celles qui veulent faire comme toi, gagner ou participer, bien entendu, à cette grande compétition. Le plus difficile, c'est de t'inscrire.